Yeah, man, I said I represent the Kashan beat. Kashan beat. Amis de la presse, bonjour. Alors on est là aujourd'hui pour la suite de cette campagne qui avait commencé de dépistage des chirurgies cardiaques chez les enfants avec la fondation CM Diamant. Alors aujourd'hui, vous voyez, pour ceux qui étaient là l'autre fois, vous allez voir qu'il y a de nouveaux visages qui se sont ajoutés, c'est-à-dire ce sont les partenaires, les sponsors qui ont accompagné cette campagne. Nous avons la fondation Zarina qui a accepté de mettre un coup fort à cette, pour la réussite de cette campagne. Il y a aussi Kin Marché de l'autre côté, représenté par monsieur et madame qui sont là. La fondation Zarina, nous avons madame qui est juste à côté ici. Alors je vais devoir passer la parole au directeur général du centre médical Diamant, lui qui va nous faire un exposé sur tout ce qui s'est passé pendant les 13 jours prévus pour... les chirurgies qu'on vient de faire ici chez Diamant. Et vous allez remarquer qu'à côté de nous, ce sont les enfants qui ont bénéficié de ces chirurgies dans cet hôpital. Et de l'autre côté, on aura à filmer aussi les enfants. On nous dit qu'il y a plus de 18 enfants qui ont bénéficié de cette opération. Alors, comme il y a plusieurs chaînes ici, chacune des chaînes pourra interviewer 2 ou 3 enfants pour mettre ça dans le reportage qu'on va diffuser sur nos radios et nos télévisions. Il y a Kin Marché qui a apporté aussi des cadeaux à ses enfants qui sont vraiment en bonne santé, visiblement. Ils vont nous expliquer. Kin Marché qui aura partagé ses cadeaux avec tous ses enfants. Alors les questions seront ciblées, c'est-à-dire il y aura des questions pour la Fondation Diamant, il y aura des questions pour Kin Marché, il y aura aussi des questions pour la Fondation Zarina et les centres médicaux Diamant. Il y a aussi les experts qui sont là, qui ont fait ce travail et qui auront à nous donner les statistiques et comment ça s'est déroulé. Monsieur le DG. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, il me fait grand plaisir d'annoncer qu'on tend vers la fin de cette première mission de chirurgie cardiaque pédiatrique à cœur ouvert ici au Centre médical Diamant, qui a été facilité par la Fondation Cardiac, Novik Cardiac Alliance aussi. Donc, au cours de ces 2 semaines, on a pu faire la chirurgie cardiaque pédiatrique sur 18 enfants, dont 16 enfants pour lesquels on a fait la chirurgie à cœur ouvert. C'est-à-dire que les chirurgiens ont arrêté leur cœur et les poumons et ils ont envoyé tout le sang via une machine qui représentait le cœur, qui faisait le travail du cœur et des poumons pour ensuite que le sang revienne dans le corps, donc avec la machine de circulation extracorporelle. La campagne de dépistage avait commencé il y a quand même plusieurs semaines et on avait dépisté, Dr Nourine, via Dr Nourine, une centaine de patients, tous des enfants qui avaient besoin de chirurgie cardiaque. Et donc, parmi les 100 et plus qui ont été dépistés, une cinquantaine ont été choisis, sélectionnés pour recevoir des chirurgies au cours des multiples missions qui vont venir. Donc, l'étendue de cette mission était plus large que juste le Haut-Katanga. Ça s'est éparpillé sur tout le pays de la République démocratique du Congo parce qu'en effet, l'équipe des chirurgiens ont opéré sur 2 patients de Kinshasa, sur 4 patients de Lualaba, sur 1 patient de Tanganyika et le reste du Haut-Katanga. Parmi les dépistés, outre les provinces que j'ai mentionnées, il y avait même des personnes qui sont venues de Bukavu pour se faire dépister pour cette campagne de chirurgie cardiaque. Donc, voilà un peu en résumé la campagne qui a eu lieu ici au Centre médical Diamant Lubumbashi. Vous voulez commencer? Donc, Dr Ali peut peut-être commencer et Dr Nourine va compléter. Oui. Excellent. Bonjour tout le monde. Donc, nous avons fait jusqu'à maintenant 16 opérations et aujourd'hui, on va faire encore les 2 dernières, donc 18 en total. Jusqu'à maintenant, toutes les opérations se sont très bien passées avec un succès de 100%. Vous allez voir beaucoup d'entre eux et d'elles
qui sont ici avec leurs parents. Donc ce sont des opérations où le temps de récupération se mesure en fait en plusieurs jours. Donc au bout de 2-3 jours, quittent les soins intensifs et peuvent aller à l'étage et commencer à bouger, boire, manger, etc. Et vous allez voir que beaucoup d'entre eux sont déjà prêts pour aller commencer à jouer ce qu'ils ne pouvaient probablement pas faire auparavant. Peut-être chose importante à dire, c'est que à peu près 70% des maladies cardiaques sont donc les plus courants, sont on va dire malformations que nous pouvons corriger avec une seule opération, donc on va dire curative. Et c'est ça qui est assez encourageant, ce sont ces 18 enfants qu'on a vraiment choisis pour que le centre local puisse avoir de l'expérience avec les choses, pas seulement les plus simples, mais aussi des choses comme les communications interventriculaires, communications interauriculaires, mais aussi des choses, on va dire, des difficultés moyennes comme la tétralogie de Fallot, dont nous avons fait 4 enfants ici pendant ces 2 semaines. Et donc, pendant ce premier voyage, il était important pour que tout le monde puisse avoir un peu d'expérience et se sentir plus à l'aise de choisir ces malformations où on sait qu'on peut vraiment être curatif pour ces enfants en une opération et espérer qu'ils vont avoir une espérance de vie et puis une capacité de faire de l'effort physique, aller à l'école, etc., comme tous les autres enfants. Bonjour tout le monde, ça va bien? Ok. Ok, j'ai fait beaucoup de dépistage. On a beaucoup, beaucoup d'enfants qui ont besoin de chirurgie. Vous avez, Dr. Ali a dit, après aujourd'hui, on a fait 18 cas. Objectif, je vais répéter encore. Objectif numéro 1 est pour sauver la vie des enfants. Et numéro 2, ok, c'est pour créer la capacité locale. Vous pouvez parler avec notre infirmière, avec notre staff congolais. Est-ce qu'il a apprendre? Oui, il a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup des choses, ok. Et j'espère qu'il va continuer à apprendre, travailler dans salle d'opération, travailler avec un bypass machine, travailler avec les médicaments compliqués dans les soins intensifs, etc. Ça c'est une chose. Mais quand j'ai fait la sélection pour les enfants, j'ai dit je veux une chose. J'ai dit je veux que enfant qui a reçu la chirurgie, il faut qu'il fasse la même chose pour quelqu'un d'autre. Donc, on sauve un enfant, je veux que l'enfant, après, quand l'enfant grandit, il sauve les autres. Et je veux créer la mentalité de ça aussi. Et ça, c'est Emmanuel. Il est le premier cas de chirurgie cœur ouvert dans le pays. Et on a fait son chirurgie le 23 mars. Et vous pouvez voir, il est... Ça va? Emmanuel, ça va? C'est bien? Ok, je vais passer le microphone. Il avait été prévu que vous opériez 25 ou 30 enfants. Et qu'est-ce qui fait que vous en soyez arrivé à 18? Ben, la deuxième, c'est que... un enfant, une fois opéré, est-ce qu'il a un régime alimentaire à suivre ou un régime thérapeutique à suivre? Et dans ce cas-là, que faire parce que l'équipe sera déjà partie? Et dans ce cas, les sponsors qui sont à côté vont-ils supplier, par exemple, au régime alimentaire pour que l'enfant puisse se tenir et supporter ce qu'il pourra tenir? Enfin, il avait été dit que les gens continuent à se faire enregistrer. À ce rythme où vous faites 18 en 2 semaines, et vous allez venir 3 ou 4 mois après, et que si tout le monde venait, il y en a qui pourraient être opérés 4-5 ans plus tard. Est-ce que ce n'est pas proposé d'appeler tout le monde là? Donc, Dr. Novick, I don't know if you want to take the first one or if you want me to take it about the number of cases, why we did 18 instead of the 20 to 25 that we had announced previously. Do you want me to take it or do you want to talk about it, safety and all that? Okay. So I think that the reason for the difference in cases is because it took us 2 days to get set up on the front side. So we actually lost at least 3 cases trying to get things set up here to be ready to operate safely. Voilà. Donc ce qui est dit, c'est que oui, on a
on avait dit qu'on voulait faire 20 à 25 cas au début. Et on a fait 18 parce qu'au début, c'est la première mission. Vu que c'est la première mission, au début, on voulait s'assurer qu'on fait toutes les choses de manière très sécuritaire. On préfère la qualité à la quantité, et c'est ça qu'on a implémenté. And then I think that the other thing that's sometimes a little bit difficult to understand for people that are not in the business is that you have a limited number of ICU beds and you want to make sure that every child gets the maximum care there. So if one child lingers longer than you anticipate in the ICU, that means on that particular day you may only be able to do one case. And so that happened one day. So we lost another case that day. So had that all fallen into place, we would have done 22. Voilà. Donc, et la deuxième raison, c'est que il faut tenir en compte le nombre de lits de soins intensifs qui sont extrêmement équipés. Donc, nous, au moins au Centre médical Diamant, on a des lits de soins intensifs avec les ventilateurs, les pousse-seringues, les cils et ça, tout ce qu'il faut pour bien s'occuper du patient, les pacemakers externes et tout ça. Alors, on a un nombre défini, limité de ces lits-là. Une fois que la chirurgie est faite, l'enfant doit aller dans un de ces lits-là. Si les lits sont occupés, on doit annuler une des chirurgies au lieu de la faire parce que où on va mettre l'enfant après. Et donc, encore une fois, ça revient à faire moins de cas de manière sécuritaire avec, comme Dr. Ali a dit, 100% de réussite jusqu'à maintenant que d'essayer de bâcler et de faire plus de cas et avoir la chance d'avoir des cas qui vont se passer bien. And we would absolutely have liked to have been able to operate on more children. But I think that what's most important is to be able to say at the end, we operated on 18 children and every one of them was discharged alive and in good condition from the hospital. Et bien sûr, ça nous aurait fait plaisir de pouvoir en faire plus, mais ce qui est important, c'est de pouvoir dire que oui, on a fait 18 cas et que 100% de ces cas ont eu un taux de succès. Votre deuxième question allait sur l'alimentation et puis la prise en charge de ces enfants à plusieurs mois. Je crois que c'est une chose très, c'est un point très important. Et c'est pour ça, un peu comme ce que j'ai dit auparavant, c'est que le 70% des maladies et malformations cardiaques qu'on opère chez ces enfants, je dirais le 100% des enfants que nous avons choisis pendant ce premier voyage et probablement pendant les premières quelques missions ici, 70% des maladies cardiaques, on peut les opérer et être curatif, ou les enfants quitteront l'hôpital peut-être avec un ou deux médicaments qu'ils vont prendre pendant des semaines ou maximum quelques mois. Au bout de ces, on va dire, 3 ou maximum 6 mois, les malformations que nous avons opérées n'auront pas besoin de médicaments. Et ça, c'est important. Ça veut dire que le suivi cardiaque à très long terme, intensif, n'est pas vraiment nécessaire. Et l'alimentation peut être tout à fait normale. Donc il n'y a pas de restriction de régime, etc. Et je pense que ça, dans la mentalité des gens, c'est important de savoir que 70% des maladies cardiaques que nous pouvons opérer, c'est avec le but que ces enfants puissent avoir une qualité de vie absolument normale, qu'ils puissent faire la même chose que les autres enfants, sans médicaments, sans restrictions alimentaires, et sans restrictions corporelles, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une activité physique comme les autres enfants. On ne va pas leur donner des restrictions de capacité physique. Vraiment, au contraire, on les encourage pour pouvoir faire ce que les autres enfants font. Maintenant, bien sûr, il reste l'autre 30%. Il y a des maladies cardiaques qui ont besoin de suivi à très long terme et certaines qui ont besoin même de plusieurs opérations pour qu'on puisse leur permettre de survivre. Mais en ce moment, pendant ces premières missions, jusqu'à ce qu'on soit vraiment, qu'on puisse travailler avec l'équipe locale, que tout le monde ici se sente plus à l'aise pour s'attaquer à des maladies, on va dire, plus difficiles, certaines qui nécessitent plusieurs interventions et puis des suivis à long terme. Mais en tout cas, ces enfants-là que vous allez voir et parler avec leurs parents, on s'attend à ce qu'ils puissent sortir dans le monde, aller à l'école, travailler, jouer, faire du sport et ne pas avoir besoin de médicaments ou de restrictions alimentaires, quoi que ce soit, au-delà de quelques semaines à 3 mois. Excellent. Et Dr. Noreen va compléter cette question aussi. Oui. Et pour les autres qui attendent pour la chirurgie, on a commencé quelques médicaments pour aider
pour le poids, aider pour les respirations et aussi pour les enfants qui sont petits. Je travaille avec maman ou papa pour ajuster son formula pour mettre plus de calories pour le poids de l'enfant. Donc, on fait les choses pour préparer l'enfant pour la deuxième mission. Excellent. Et aussi, je vais rajouter que Dr. Nourine, elle est là. Dr. Nourine, elle est là et elle est cardiologue pédiatre. Donc, pour le suivi qu'il faut faire pendant ces 3 à 6 mois, même si l'équipe qui est venue des États-Unis, du Canada, de la Suisse et tout ça vont repartir, Dr. Nourine va être là pour continuer la prise en charge de ces patients-là aussi. C'était quoi? Rappelez-nous, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Donc, alors, c'était un peu ce que Dr. Nourine a abordé. C'est que, oui, on a trouvé tous ces cas. On n'a pas pu faire leur chirurgie, mais on est en train de les préparer maintenant avec des médicaments et autres pour que, pour la prochaine mission, ils soient déjà prêts. Donc, s'il y en a qu'il faut qu'ils gagnent un peu de poids pour qu'on puisse faire la chirurgie mieux, s'il y en a qui doivent, je ne sais pas, contrôler leur niveau des poumons, etc., on leur prépare déjà dès maintenant. Après, maintenant, si on pense vraiment macro, OK, c'est que c'est vrai qu'il y a des milliers de cas en République démocratique du Congo, des dizaines de milliers de cas de chirurgie cardiaque. Est-ce que au Centre médical Diamant, on pourra tous les soigner? Non, c'est sûr que non. Il faut qu'on travaille vraiment avec le gouvernement, on essaie de faire autant que possible. Et c'est pour ça que l'objectif numéro 2 que Dr. Nourine a dit, qui est de former la capacité auprès de nos médecins et nos infirmiers congolais, c'est pour ça que cet objectif est si important. Parce que si on n'a plus besoin de cette équipe de visiteurs, si on peut le faire nous-mêmes avec notre staff congolais, on pourra en faire beaucoup plus que quand on doit attendre qu'ils viennent pour des missions. En effet, la mission côté chirurgical prend fin aujourd'hui. Les 2 derniers cas de chirurgie vont être finis aujourd'hui. Une partie de l'équipe, sauf un des chirurgiens de l'équipe de chirurgie, va repartir. L'équipe de soins intensifs, qui est aussi venue du Canada, des États-Unis et d'ailleurs, et Dr. Novick lui-même, continue à rester ici jusqu'au 5 ou 6 avril pour les patients qui vont encore être dans les soins intensifs. OK? Donc, on s'assure que tous les cas opérés vont avoir une bonne suite et une bonne fin. Maintenant, à quand la prochaine campagne? C'est une très bonne question. Alors, ces campagnes sont très, très chères. Et honnêtement, sans l'appui de sponsors tels que Kin Marché, Fondation Zarina et même les autres comme Hôtel Lubumbashi, Planète Olibom, le restaurant du Golfe qui nous ont supportés, on n'aurait pas pu faire ces missions-là. Donc, on a vraiment besoin du support continu de ces sponsors. On a besoin du support continu du gouvernement pour que, s'ils décrètent ce projet justement comme un projet de corporate social responsibility, les mines, les banques, les télécommunications pourront aussi contribuer envers ces missions. Si on peut ramasser les fonds qu'il faut pour organiser ces missions, on pourra en faire de plus en plus. Pour l'instant, notre objectif est de réaliser la seconde mission au mois de septembre 2022. Idéalement, on aimerait organiser 3 à 4 missions parce que le plus de missions qu'il y a par année, parce que le plus de missions qu'il y a, le plus vite notre staff va apprendre à faire ces chirurgies de manière autonome. Mais pour ça, on a besoin de sponsors. Et peut-être maintenant, je vais passer la parole à peut-être Fondation Zarina et Kin Marché qui pourraient aussi peut-être nous expliquer l'apport qu'ils ont pu apporter. Je parlerai premièrement de profit. Quand on est une fondation, il n'y a pas de profit. C'est le cœur, c'est l'amour du prochain. Et on ne travaille pas pour bénéficier. Le bénéfice que nous avons, c'est le sourire de cet enfant. Le bénéfice que nous avons, c'est l'amour que nous tenons à notre population. Le bénéfice que nous avons, c'est quand on voit que quand on a fait quelque chose de bien et ça a rapporté à la famille ou à l'enfant ou à la population ou aux personnes qui avaient besoin et qui sont en bonne santé ou qui vont à l'école et qui sont dans les bonnes conditions. C'est ça le bénéfice d'un être humain qui est heureux d'avoir apporté ou donné. Ça, c'est la dernière question qui était là, mais je préfère la répondre dans la première pas. Deuxième pas, c'est une motivation. Donner, c'est aimer. C'est donner la vie à quelqu'un. L'éducation, c'est apporter l'appui à la vie de quelqu'un. Parce que si quelqu'un est éduqué aujourd'hui, demain, il sera quelqu'un, une personne qui va être
bien pour la population, pour le gouvernement, pour la société. Et notre fondation est là pour ça. Nous voulons donner, aimer, partager. C'est ça notre motif, c'est ça notre motto. Nous avons apporté quoi? Notre contribution, c'est quand eux, ils nous ont demandé de les aider. Notre sponsor, qui est le plus grand sponsor dans la fondation, c'était Kin Marché. Et nous avons demandé à nos sponsors d'aider, de pouvoir contribuer ce qu'eux, ils ont besoin pour qu'on puisse avancer dans cette campagne de chirurgie cardiaque. Et voilà, c'est pour ça que Kin Marché est là. Et Kin Marché qui va répondre. Parce que dès qu'ils sont venus chez nous, nous avons été vers nos sponsors. Parce que nous travaillons comme ça. Nous, on ne gagne pas. La fondation ne gagne pas. C'est la fondation qui travaille avec les donateurs et les sponsors. Merci. Ok, bonjour à tous. Bon, quand la fondation Centre Médical Diamant est venue vers nous pour cette campagne de chirurgie cardiaque pédiatrique, ça nous a vraiment touchés. Comme vous le savez, Kin Marché, c'est vrai que c'est une supermarché de chaîne qui est là depuis 2004, mais c'est pas seulement le commerce. On est aussi dans le social. C'est pour cela qu'on a entendu parler de ces campagnes, on n'a vraiment pas hésité et directement on a donné ce qu'on pouvait. Oui, c'est ça. Donc ce bon. sont nos sponsors Emirals. Donc c'est un des sponsors les plus élevés que nous avons. Et honnêtement, sans leur appui, on n'aurait pas pu faire tout ça. Donc vraiment, je remercie Kin Marché, je remercie Fondation Zarina parce qu'ils ont fait un grand apport. Regardez, je crois que vous voulez avoir des chiffres, si je ne me trompe pas, c'est ça? Donc j'avais mentionné les chiffres la dernière fois aussi. Et peut-être je vais prendre cette opportunité aussi pour aborder un point sur la gratuité ou non de cette campagne, parce que je crois que c'est une question qui se pose dans la ville aussi. Alors, quand on approche les sponsors, comme pour n'importe quel événement, on leur donne le breakdown de tous les coûts. OK? Vous pouvez imaginer, c'est une équipe de 16 personnes qui sont venues des États-Unis, du Canada, de l'Angleterre, de l'Australie, de la Suisse et d'autres pays comme ça. OK? Donc, il faut qu'on paye tous leurs billets d'avion, toute la logistique, pour la rémunération pour ceux qui sont rémunérés, etc., etc. Donc, c'est tout un coût qui est associé à cette campagne. En plus de ça, regardez, pensez un peu à ce qui se passe dans le bloc opératoire. OK? Dans le bloc opératoire, le patient, son cœur et ses poumons sont arrêtés. Qui joue le rôle du cœur et des poumons? C'est une machine. OK. Alors, maintenant, les consommables de cette machine, alors d'abord, il faut le tuyautage pour que tout le sang puisse sortir du corps. Ces tuyaux seuls coûtent déjà 2 000 $ au Canada. Maintenant, il faut la partie de ce qu'on appelle l'oxygénateur. Ça, c'est la partie qui apporte l'oxygène, parce que qui joue le rôle des poumons? Il faut rajouter l'oxygène. Ça, c'est un autre 1 000 $. Durant la chirurgie, c'est des chirurgies extrêmement compliquées. Chaque 10 minutes, il faut faire des tests, par exemple, un test de gaz du sang. C'est un test qui coûte énormément cher et qui n'est fait que dans les hôpitaux les plus réputés comme le Centre médical Diamant et qui coûte énormément. Donc, si ces tests nous coûtent des centaines de dollars et il faut en faire 6 par heure pour une chirurgie qui peut prendre 6 heures, c'est déjà 36 tests qu'on a dû faire. OK? Donc, si vous regardez tout ça, on a fait le coût global de la chirurgie qui revient à 30 000 $ par enfant. Alors maintenant, la gratuité des soins. Donc, c'est pas... Alors, ici, il y a une genre de peut-être misinformation ou mal communication là-dessus. Nous, la Fondation Centre Médical Diamant, qui est appuyée par des sponsors tels que Kin Marché et Fondation Zarina, offre de payer pour les enfants qui sont démunis. Et dans la campagne qu'on a faite ici parmi les 18 personnes, la fondation va payer pour 16 de ces 18 personnes. Maintenant, il y en a 2 qui travaillaient pour des sociétés. Et si les sociétés sont capables de prendre en charge ces enfants, si ces enfants sont assurés, les assurances prennent en charge ce type de chirurgie, là, oui, ça aide, cet argent-là va aider pour payer pour la chirurgie de ceux qui sont démunis et qui ne pouvaient pas payer. Donc, je crois peut-être, ça c'est pour aborder cette question sur les coûts et tout ça. Donc, très bien. Alors, pour être très clair là-dessus, c'est que
La Fondation Centre Médical Diamant prend en charge le coût de ces chirurgies cardiaques pédiatriques à cœur ouvert pour les enfants démunis. S'il y a des enfants qui sont assurés, qui sont pris en charge par leur société, on demande à ces sociétés et ces assurances de contribuer envers le coût de la chirurgie. Donc, après, c'est le patient lui-même. Donc, est-ce qu'il a une carte d'assurance? Est-ce qu'il est assuré? Est-ce que la compagnie pour laquelle il travaille le prend en charge? Donc, on sait, par exemple, que les mines et autres prennent en charge ce genre de cas, parce que c'est même, en fait, dans la loi congolaise, il faut prendre en charge les soins de santé des dépendants, etc. Donc, là où c'est possible, on le demande. Mais comme on l'a vu, regardez les statistiques de cette campagne même, c'est juste 2 sur les 18 qui ont pu payer, et même là, ils ont dû payer un prix un peu plus réduit. Mais ça va, tout ce qu'ils peuvent contribuer, ça aide à payer pour la chirurgie des autres. The first question is for you, Dr. Novick, if you can talk about the training that your team was able to give to the local Congolese staff. And how you see the potential of the 5-year period of them being able to do things on their own and their potential. So every operation that was performed, every child that was taken care of in the ICU, we had a Congolese counterpart with our team member. Oui, donc excusez-moi. Donc pour chaque personne qui est venue de l'équipe de Dr. Novick, on a attaché cette personne avec un de notre staff congolais local. So that means that on this initial trip, that there were 18 different teaching opportunities for each specific doctor or nurse that was working with us. Donc ça veut dire que pour cette campagne, il y avait 18 différentes opportunités d'enseigner à chaque infirmier, chaque médecin, chaque anesthésiste pour chaque cas. I would say probably the most difficult individual to build capacity in is the surgeon. Donc, la personne qui a besoin d'être le plus rodée, bien sûr, quand on parle de chirurgie cardiaque, c'est le chirurgien. Because there are so many different types of defects, and there are the possibilities of combinations of those defects that no two operations on a particular child's defect may be the same. Oui, et ça, c'est parce qu'il y a tellement de différents types de complications, de malformations. Et il y a même des enfants qui ont multiples malformations. But if we're able to keep the plan, if we're able to come 4 times a year for 3 to 5 years, I think we all believe that they will be able to do pediatric cardiac surgery here. It will be the degree of complexity of cases that will be a major determinant. Simple cases, moderately complex cases, yes. But when you move into neonates and very complex cardiac surgery, that takes a little bit more time. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que si le programme est maintenu et qu'on peut faire 4 missions par année pendant 3 à 5 ans, oui, là, l'équipe pourra être autonome au Centre Médical Diamant à Lubumbashi. Mais même là, il y a un bémol. C'est qu'il va falloir que l'équipe locale pourra faire des cas qui sont récurrents et qu'ils ont vus. Peut-être pas les cas les plus compliqués. In general, after about the first 4 to 6 trips, we start to let the local surgeon assume more responsibility in the actual performance of the operation. Donc d'habitude, après les 4 à 6 premières missions, il laisse maintenant aux chirurgiens congolais beaucoup plus de responsabilités en termes de la chirurgie qu'il est en train de faire par lui-même. Important in all of that building capacity is the motivation and the desire of the local individual receiving the education to be able to utilize it and to advance themselves. Et maintenant, ce qui est vraiment important, c'est que l'équipe locale doit montrer ce thirst. Ils doivent montrer qu'ils sont intéressés à apprendre. So people have to participate in every operation, obviously, and they need to do some studying of the congenital heart disease in our absence, because there's a lot of information out there
about how to operate on and take care of these children. Donc, ce que ça veut dire, c'est que non seulement cette équipe doit participer à chaque chirurgie qui est faite ici, mais entre les missions, il faut aussi qu'ils continuent d'apprendre via un curriculum spécifique qui est vraiment spécifique à la chirurgie cardiaque pédiatrique. So all of these individuals that are involved in the program need to be motivated to do some self-learning while we're not here. Donc, c'est que toute l'équipe qui est impliquée dans ça, l'équipe congolaise, doit par elle-même être motivée de continuer à apprendre tout au long. With regards to that, teaching and experience and training. Sorry, say it again. Yeah, sure. No, you say it again. Say it again. So, specifically with regards to teaching, education, and training. Donc en ce qui concerne donc la partie formation et enseignement. It's critically important that the individuals that we're working with are present every day. C'est important que l'équipe qui travaille, qui est impliquée dans cette campagne, soit présente tous les jours. Because obviously while we're here, that's a maximum learning time. C'est ça, parce que il faut prendre avantage du fait que l'équipe est ici et il faut apprendre autant que possible tant qu'ils sont là. I bring this up. Il amène ce point. Because one of our surgeon trainees was attacked in his home at night and severely injured. Donc il aborde ce sujet parce que l'un des chirurgiens congolais qui était affecté à ce programme a malheureusement été attaqué chez lui lors de ces deux semaines de campagne à cause de l'insécurité de la ville. And we wonder a little bit about why he and his particular wife were targeted. Et lui, Dr. Novik, se pose des questions. Pourquoi est-ce que lui et sa femme ont été attaqués comme ça durant cette campagne? So, I think it's important for the media to realize that even though we operated on 18 children during this time, and even though all the children survived, there were a number of issues outside of our control which had a negative impact on this actual trip. Donc, malgré le fait que, oui, finalement, la campagne était très réussie, 18 cas avec 100% de succès, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière la scène, des choses qui nous ont quand même perturbés beaucoup. And I think that, you know, it's important for the media to understand and perhaps report that there were individuals that were actually calling families and telling them, don't take your child to that hospital for heart surgery or they will die. Donc, apparemment, il y a des gens, des médecins peut-être, qui appelaient les patients qui avaient besoin de cette chirurgie pour leur dire de ne pas aller se faire la chirurgie. Parce qu'ils vont mourir s'ils le feraient. Why would anyone do that? Pourquoi est-ce que quelqu'un ferait ça? Because you have hundreds of people coming to DRC to operate on your children with heart disease and you don't need our help. Donc pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin de l'aide de fondations telles que Novi Cardiac Alliance? So, I think it's important for you to talk to these family members and see all these children. They are all at your disposal. We want to be completely transparent. We're not hiding anybody. You can talk to any parent. And you can talk to even some of the children, because there are some very expressive children in this group. Donc, il vous demande, il vous implore de parler avec les parents, parler même avec les enfants. Il y a des enfants qui sont très expressifs aussi. Et prenez leurs histoires. Regardez comment ça a été un succès, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, qui sont complètement fausses. Regardez, vous voyez tous les parents, tous leurs enfants, ils sont là. Leurs enfants se sentent beaucoup mieux qu'avant la chirurgie. So, I guess the last point that I want to make on this is that it is really beyond belief that anyone would go out of their way to call the very parents whose children were on the schedule to tell them that if you go there and have your child operated on, he or she will die. I cannot tell you what kind of reprehensible behavior that is. And I certainly hope we can find the individual responsible. Donc, il dit qu'il n'arrive pas à le croire
qu'il y avait des gens, des médecins ici qui appelaient les patients qui étaient sur notre horaire pour leur dire d'annuler en leur donnant des mauvaises, des fausses rumeurs et autres choses. Et ça, c'est quelque chose qui l'a vraiment touché parce qu'il est venu ici pour aider la population et que quelqu'un de la population locale fasse ça, il n'arrive pas à le croire. So that's my very short answer to your very long question. Donc, voici sa petite réponse à votre grande question. Donc, peut-être pour la deuxième partie, on a alors professeur Fefe qui est anesthésiste cardiaque. On a docteur David qui est chirurgien. Si eux aussi, ils veulent peut-être parler un peu justement concernant la question de l'aspect formation, de l'aspect ce que vous avez pu voir et observer durant cette mission. Merci pour la question et elle est bien placée parce qu'il fallait quand même qu'il y ait un témoignage tout à fait local. Et tout en remerciant déjà l'équipe, on doit dire que ça a été exceptionnel. Là, je parle plus du côté anesthésie. Exceptionnel, pourquoi ? Parce que le Centre médical Diamant a gardé son partenariat avec la faculté de médecine. Et, nous étions partis pour 4 anesthésistes maison pour être formés, mais on a eu 12 médecins en spécialisation qui sont passés à tour de rôle pour pouvoir bénéficier de... Parce que pour nous, c'est une activité à pérenniser. Et côté maintenant formation, effectivement, c'était une mission très productive parce que à la base, on a reçu d'abord les généralités sur la pratique de l'anesthésie en chirurgie cardiaque, pédiatrique, et on a vu que c'était différent. Au moins, nous, on avait déjà vu ailleurs. Et je pense que l'équipe a vraiment une touche parce qu'elle a un protocole standardisé qui est simple d'usage, croyez-moi. On s'attendait peut-être à des techniques très, très, très sophistiquées, mais ils ont vraiment simplifié les choses et les étudiants ont bien assimilé. Donc pour nous, pour une première mission, c'était une réussite. Et les médecins du Centre médical Diamant et nos assistants de l'Université de Lubumbashi ont bénéficié. Et pour les prochaines missions maintenant, ça sera l'automisation par rapport aux actes. Nous avons posé des actes et ils ont une bonne pédagogie. On laisse voir si vous êtes en mesure de faire. Ils vous laissent faire sous supervision et ça marche comme ça. Donc, merci encore une fois et nous sommes toujours excités pour pérenniser cette activité. Merci. Merci pour votre question. Je saisis l'occasion pour remercier la Novik, William Novik Global Cardiac Alliance, le Centre médical Diamant, pour l'opportunité qu'ils ont offert à nous tous. Chirurgien de formation, spécialiste en chirurgie. Et donc, l'approche de chirurgie cardiaque est une nouvelle approche qui a, je dirais, changé les choses, bouleversé la donne dans la réalisation de la chirurgie, dans la pratique. Et donc, ça nous a permis de voir beaucoup d'autres choses différentes. Pour la première mission, on dira voir, pas que, parce que nous avons participé à fond sur 18 chirurgies. Moi, j'ai été là, on dit dans le champ. Ça veut dire que j'ai assisté à tout ce qu'on a fait sur en moyenne 15, parce que mon collègue avec qui on a commencé la mission, malheureusement, il y a eu ce qui s'est passé. Donc, sur 15 chirurgies, j'ai eu à voir beaucoup de choses différentes, à apprendre. Et donc, ce n'est pas sur la première mission qu'on dira que demain, on va ouvrir le cœur nous-mêmes, parce qu'il y a beaucoup qui doit être fait autour, dans l'aspect logistique surtout. Mais après une deuxième, une troisième mission, nous avons un background, nous savons déjà ce que ça veut dire une chirurgie cardiaque maintenant. Je crois que dans les prochaines missions, nous aurons un peu plus grandi en chirurgie cardiaque, évidemment. Nous avons une courbe de progression qui va croissante et après, ça ira. Et donc, dans la formation des autres, il y a eu des médecins de l'université en formation, en spécialisation en chirurgie, qui venaient à tour de rôle tous les jours. Il y en a d'ailleurs deux encore aujourd'hui pour ces deux chirurgies qui vont se faire. Ils auront le temps de voir, on leur explique ce qui se passe. Peut-être qu'ils n'auront pas la chance de pratiquer aujourd'hui, mais vous voyez, la chirurgie cardiaque à Lubumbashi, nous l'avons apprise dans les livres. On dit que dans les livres, les vaisseaux, ça ne saigne pas. Mais quand vous voyez comment ça saigne, vous allez voir comment on doit arrêter le saignement, comment le cœur bat.
on arrête le battement du cœur, on travaille sur 2 heures sur un cœur qui ne bat pas, on relance le battement cardiaque, on déconnecte la circulation extracorporelle. Je crois que c'est quelque chose à voir, à maîtriser, à assimiler. Et bon, comme on le dit, Inch'Allah, dans les prochaines missions, 3e, 4e, 5e mission, je crois que ça ira. Ça ira très fort d'ailleurs. Merci. Moi, c'est Dr Roupas du service de cardiologie du centre médical Diamant. Je suis très, très flatté, très heureux d'avoir vécu de telles situations dans nos milieux. Je suis déjà dans la pratique de la cardiologie, ça fait beaucoup d'années. Je m'occupe de la prise en charge des cardiopathies congénitales chez les enfants, ici à Diamant et même à l'hôpital militaire. Alors, vu beaucoup de difficultés rencontrées dans la prise en charge de ces enfants-là qui doivent aller au-delà de nos frontières, en Europe, en France, en Inde, aux États-Unis et partout, nécessitant beaucoup de moyens pour être pris en charge, et que beaucoup d'enfants meurent au jour le jour des cardiopathies congénitales. Alors, voir la Fondation Diamant, le Centre médical Diamant, Novik Cardiac Alliance, venir avec une équipe de plus de 15 personnes, prendre en charge les enfants congolais gratuitement, les opérer, des opérations de chirurgie qui peuvent coûter au-delà de 30 000 $. Donc je suis très flatté et très réjoui. Et aux parents et à toute la population, j'aimerais dire que ça a été une réussite. Donc cette campagne de chirurgie cardiaque organisée par le Centre médical Diamant a été une réussite à 100%. Et pour les campagnes prochaines, j'aimerais que tout le monde qui a eu à être informé puisse informer le maximum de la population, dire qu'il y a une solution déjà dans nos milieux pour ce qui est de la cardiopathie, des cardiopathies congénitales chez les enfants, et que le maximum d'enfants puissent venir, et que derrière toutes ces actions, que l'État congolais puisse soutenir. C'est ça. Merci. Sincèrement, à remercier le Centre médical Diamant et aussi l'équipe Novik, parce que j'étais l'assistant du perfusionniste, le pompiste comme on l'appelle. La machine de la circulation extracorporelle, je l'ai lisée dans le livre, je faisais des recherches sur YouTube, mais ce n'est pas ce que moi j'ai vu. C'était vraiment exceptionnel. Arrêter un cœur pour utiliser une machine extracorporelle, ah, c'est super. J'ose croire qu'à la prochaine formation, j'aurai plus que ce que j'ai eu et je tiendrai vraiment et je resterai en recherche pour que quand ils viendront encore, qu'ils me trouvent plus que ce qu'ils m'ont laissé. Merci. Disons grandement merci au Centre médical Diamant et à l'équipe de Novik qui nous a aidés à pouvoir participer à cette formation qui a vraiment été très bénéfique pour nous. Nous sommes infirmières, ça fait déjà quelques années, mais nous n'avons jamais eu à participer à une telle formation. En tout cas, nous avons beaucoup appris et j'espère qu'avec les années qui suivent, nous allons encore beaucoup apprendre. Nous sommes vraiment très reconnaissants et je ne sais pas citer tout ce que nous avons appris, tellement c'est nombreux, il y a beaucoup de choses tellement que nous avons appris. Et nous sommes vraiment reconnaissants. Merci. Premièrement, d'abord, je tiens à remercier l'équipe du docteur Nourine et la fondation qui est venue pour aider et soutenir nos enfants. Ce n'est pas facile avoir un enfant avec malformation cardiaque. Ce n'est pas facile. Je vous rassure que la première fois que j'ai appris que ma fille était souffrante, j'ai pleuré. C'était ça ma réaction. J'avais pleuré et je me suis dit, Seigneur, est-ce que cette maladie existe? C'était la question que je me posais. Mais au fil du temps, quand je suis venue à l'hôpital Diamant, je me suis croisée avec Dr Nourine et elle m'a rassurée qu'un jour, elle sera opérée et elle va reprendre le cours de la vie normale. Sans vous mentir, Miri Choukourou, vous savez le caractère de nous en tant qu'Africains, quand on nous apprend ce genre de trucs, Tuna Choukouraka. Ne vous démentez pas, j'avais le stress. Le stress, Sirikouya est à haut niveau. Le jour qu'on a pris ma fille pour l'amener dans la salle d'op,
j'étais stressée. Ils ont pris 8 heures. Et sans vous mentir, ma fille a quitté la salle de réveil en marchant. Ça m'a étonnée. Je me suis demandé est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux. Et quand j'ai vérifié, c'était vrai. Et aujourd'hui, sans vous mentir, je vois ma fille reprendre petit à petit le cours de la vie normale. Elle mange, elle joue, elle rigole, elle est vraiment à l'aise. Quand tu la regardes respirer, elle a repris la respiration normale, elle est vraiment à l'aise. En tout cas, je tiens à remercier l'équipe du docteur Nourine. Je tiens aussi à appeler les parents qui ont des enfants souffrants. Ne vous cachez pas. Mouchifoucha, mes chers parents, venez avec vos enfants. Venez avec vos enfants. N'écoutez pas les lésondis de la cité. Parce qu'à la cité, il y a des rumeurs qui courent que les enfants sont morts. Nos enfants sont là, ils sont vivants. Moi, je suis parent de l'enfant miracle. Elle est vivante et parfaitement en, santé, en bonne santé. Moi aussi, je tiens à remercier l'équipe des docteurs Nourine. Moi, je peux dire que Nimungu a tout embellé. Quand on a bien tout vivre, papa, tout s'est mis tout Nimungu a tout embellé. Mimi, la semaine dernière, l'État d'Europe, il n'a plus rien au Congo. Mimi, la semaine dernière, papa, si pengine pour parler de la semaine, par quoi la maman est à peine même mis chez quoi t'as la langue on a 100 francs. Tu vois. Mais quand Mimi, on a tout vivre, on a repéré. J'ai dit seulement merci à Dieu. Merci à Dieu, na, mais en Amérique, il n'a plus rien au Congo. En tout cas, je dis merci à Dieu. Ma secondaire Sandra, la maman d'Emmanuel, le premier cas qu'on a opéré au centre médical Diamant. Je tiens à remercier le docteur Nourine avec toute son équipe. Je lui dis en tout cas, Nzambe Apambula et Nzambe Apambula, docteur Nourine, pour tout ce qu'ils ont fait pour nos enfants. Mungu abariki, abalinde, na mon absence, aba docteur va quoi coopérer. Mungu atuye ma famille, abo, parce que mon absence est abo, a pas te kuba protéger dans la dame. Quand tout est bari, vous savez tout est tout, vous savez l'opération, vous avez tout, 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 vous av